ndeko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, Éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, Éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, coulé. Mes larmes ont trop coulé, papa. Viens me sauver. Le ministère Famille des Peuples et le ministère Marial du Combat Spirituel présentent les temps de prière du mois de janvier à la montagne du Christ Libérateur à Brofodoumé. Thème 1. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Romains 11, verset 16. Objectif, contrôler le premier mois de l'année, c'est dominer tous les mois de l'année. Prédicateur, Abba Achiapa comme Marie. Dimanche 24 janvier 2021, Paraclitos, prémisse de puissance et des fusions des dons de l'Esprit Saint. Notez bien, venir avec sa bouteille d'huile, son manteau ou pochette, de 12h à 18h30, à la montagne du Christ Libérateur à Brofodoumé. Car de transport gratuit au départ de toutes les communes. Infolive 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique en Côte d'Ivoire, la paroisse Théotokos d'Abidjan Cocody en Grèce organise la veillée de retour à l'envoyeur. Le samedi 30 janvier 2021, de 21h à 6h, à la montagne du Christ Libérateur à Brofodoumé. Thème, il creuse en terre un trou profond, mais dans la force qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui, et sa violence lui retombera sur la tête. Psaume 7, versets 16 à 17. Prédicateur, Abba Achiapa comme Marie. Car de transport gratuit, au départ de toutes les communes. À 19h, 01 31, 51 06, 05 96, 77 12, 77 54, 83 80. Bien-aimés de Dieu, je suis heureuse ce soir de vous retrouver encore et je prie qu'en ce soir, notre Dieu prenne le contrôle de ce temps, que moi-même je m'efface afin de laisser la place à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous avons besoin de Dieu pour avoir une orientation dans notre vie. Quel combat nous avons à mener? Quelle victoire nous devons remporter? Quelle est cette chose qui pour nous est une inquiétude? Quelle est cette chose que nous n'arrivons pas à comprendre? Ce qui nous paraît inaccessible? Quelle précision as-tu besoin d'avoir dans ta vie? Quelle est cette chose pour laquelle tu as besoin de l'œil de Dieu? Mais ce soir, nos prières seront orientées de manière à savoir la vision de Dieu pour notre vie. Alléluia! Nous commençons notre temps avec la prière à notre ange gardien. Mais avant, je t'invite à faire avec moi ce signe de la croix. Le signe de la croix devant lequel l'ennemi ne peut résister. Par ce signe, bien-aimés, nous invitons notre Dieu à venir prendre le contrôle et à imposer le silence à tout ce qui nous combat. Amen. Nous prenons notre eau bénite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous parlons maintenant à notre ange gardien.
mon fidèle ange gardien, mon amour, mon protecteur, protecteur de mon corps et de mon âme. J'ai bien passé cette journée et humblement je te dis merci. Merci parce que tu as pris soin de moi. Merci parce que tu m'as préservé de tout danger, de tout accident mortel. Merci encore, mon ange gardien. Mon fidèle ange gardien, révèle-moi au cours de cette prière les choses qui me sont cachées, les choses que j'ai besoin de savoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant dire merci à notre Dieu. Nous allons lui dire merci pour tous ses bienfaits dans notre vie. Oh, bien-aimés, nous attendons tellement de Dieu et nous oublions souvent de lui dire merci. Or, la Bible nous dit, rendez grâce au Seigneur car il est bon et éternel est son amour. Alléluia. Bien-aimés, quand bien même nous péchons, la Bible nous dit que l'amour de Dieu pour nous est éternel. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à prendre la parole de Dieu avec moi. En Ésaïe 54 au verset 10, nous allons lire ce verset ensemble. Et nous allons le lire comme si c'est nous qui disons cette parole à notre Dieu. Et nous allons le dire pour lui dire combien de fois nous nous sommes reconnaissants. Amen. Ésaïe 54 au verset 10 nous dit, « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. » Alléluia. Venez, mais récitons encore ce verset. Pour dire merci à notre Dieu, pour lui dire merci, pour ce que notre amour pour lui ne changera pas. Alléluia. Répétons encore cette parole à notre Dieu. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi, ô Dieu, ne changera jamais. Alléluia. Bien-aimés, imaginons-nous qu'à ce verset, qu'à ce que nous disons à Dieu, qu'à ce merci que nous avons dit à Dieu, imaginons un peu ce que notre Dieu peut nous répondre. Disons ensemble la suite de ce verset. Et Dieu dit, « L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te le dis dans ma tendresse. » Alléluia, alléluia. Dis cette parole de remerciement avec moi. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis pendant ce jour. Mon frère, ma sœur, après cette prière d'action de grâce, nous allons maintenant demander pardon à Dieu pour nos péchés. Écoutez avec moi cette prière que notre patriarche, notre père Abraham a dit à Dieu dans une position d'humilité. Genèse chapitre 18, verset 27. Pardon, mon Seigneur, je ne suis rien du tout, mais pourtant j'ose encore te parler. Bien-aimé, notre père Abba Achia Pakon Marie, notre père prophète, de qui nous viennent ces prières que nous faisons, qui lui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Notre papa nous dit souvent, bien-aimé, que l'un des canaux que Dieu utilise pour nous bénir farouchement et sauvagement, c'est la prière d'humilité. Une prière d'humilité et d'assurance en Dieu. C'est pourquoi demandons pardon à Dieu en toute humilité, mais avec l'assurance qu'il nous pardonnera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais cette prière avec moi. Seigneur, pour toutes mes négligences, pour toutes mes omissions dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'Église, pour toutes les fois où au cours de cette journée, j'ai été distrait volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance et d'abandon à Dieu, je te demande sincèrement pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Dieu, aie pitié de moi, fais-moi miséricorde et accepte-moi de nouveau. Amen. Bien-aimés, faisons encore cette prière de repentance, pour demander pardon à Dieu, pour toutes les personnes que nous avons offensées. Amen. Nous disons Jésus trois fois et nous prions. Un, deux, trois. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, pour toutes les personnes que j'ai offensées, même de manière involontaire, je te demande pardon. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, les disputes, les emportements, les malédictions proférées, pour les injures et les médisances, pour les railleries, pour les faux rapports,
pour tous les dommages que j'ai causés aux biens, aux affaires, au travail et même à la réputation des autres. Pour tous les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales et le manque de respect envers les autres, pour le refus d'obéissance, le manque de charité, le manque de zèle, le manque de fidélité, et pour tout autre sentiment divers et confus que j'ai eu envers les autres, j'implore ton pardon et ta miséricorde. Je te demande, ô Dieu, la grâce de la réconciliation et de la réparation envers les autres. Seigneur Jésus, aie pitié de moi qui ai péché. Amen. Bien-aimés, nous allons encore demander pardon à Dieu. Faisons cette prière d'humilité et de foi. Demandons pardon à Dieu pour le péché contre notre propre corps. Seigneur Jésus, mon corps ne m'appartient pas. Ô Dieu, je n'ai pas eu le regard que tu as pour moi. Je n'ai pas eu le regard que tu as sur mon corps, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Papa. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je sais que mon corps a du prix à tes yeux. Je sais que je vaux pour toi bien plus que l'or et l'argent. C'est pour cela que tu es mort pour moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Papa. Tu ne t'es pas donné sur la croix pour un objet, mais tu t'es donné pour moi, Seigneur Jésus, à cause de l'amour que tu avais pour moi, Papa, et que tu as toujours pour moi. Seigneur, j'ai fait de mon corps celui d'une prostituée, mais je te demande pardon. Et confiant en ton amour et en ta miséricorde, je fais cette prière. Ô Dieu, il n'y a rien de bon en moi. Tout en moi n'est que vanité, arrogance, orgueil, mensonge, pensée impure et désir mauvais. Toutes mes pensées et mes paroles sont contraires à la pureté. Il n'y a en moi que colère, intempérance, impatience, vie sensuelle, paresse dans tout ce que je fais. Seigneur Jésus, je te demande sincèrement, pardon, aie pitié de moi. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu me fais. Merci Yahweh de m'accorder ta miséricorde encore aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant entrer dans nos prières de combat. Nous allons prier, bien-aimés, pour les célibataires. La Bible nous dit en Philippiens 4 au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit, « Demandez et croyez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu. » Alléluia. Bien-aimés, ce soir, demandons à Dieu une orientation pour nos vies dans le domaine du mariage. Ce soir, ô Dieu, donne-moi une orientation par rapport au mariage. Donne-moi, ô Seigneur Jésus, une orientation par rapport à la personne avec laquelle je dois être. Ô Seigneur Jésus, j'ai peut-être trouvé la bonne personne, mais mon caractère m'empêche de le voir comme il est, c'est-à-dire la personne selon le cœur de Dieu pour moi. Ô Dieu, ouvre mes yeux ce soir. Seigneur Jésus, je suis dans la confusion totale. Ouvre mes yeux sur qui est réellement mon âme sœur, que je vois au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève les yeux au ciel et demande cette orientation divine pour ta vie maritale. Parce que la Bible nous dit que le secours vient de Dieu. Alléluia. Et lève la voix. Lève les yeux vers le ciel et demande la grâce à Dieu que tes yeux s'ouvrent réellement sur cette personne-là avec laquelle tu dois être. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, nous prions maintenant pour les couples en difficulté. Nous allons demander la grâce à Dieu pour toutes ces personnes-là dont le mariage bat de l'aile et tous ceux qui sont au bord du gouffre, toutes ces personnes dont le mariage risque de tomber à l'eau. Peut-être même qu'une demande de divorce est en cours. Oh, bien-aimé, ce soir, demandons la grâce à Dieu d'identifier le problème réel qu'il y a dans les couples afin de pouvoir les régler rapidement. Alléluia. Prie avec moi cette prière. Oh Dieu, mon mariage bat de l'aile. Tant d'incompréhensions, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, ô Dieu. Donne-moi une orientation divine par rapport à mon couple. Ô Dieu, reprogramme pour moi la vie dans mon couple. Cette vie qui s'en est allée, Seigneur Jésus. S'il y a une relation que je dois quitter, aide-moi à en sortir. Mais si je dois rester, ô Jésus, dis-moi quelque chose. Car je suis fatiguée de cette situation. Ô Dieu, merci d'apporter la solution
à tout ce qui ne fonctionnait pas dans ma vie de couple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous prions maintenant pour l'enfantement. La Bible nous dit que Anne a supplié le Seigneur et à la suite de cela, elle a pu mettre au monde un fils et plusieurs par la suite. La Bible nous dit en 1 Samuel chapitre 1 au verset 19, « Elkana s'unit à sa femme Anne. » Et le Seigneur écoute la prière de celle-ci. Mais ce soir, il faut que Dieu écoute ta prière et te donne l'exaucement. Amen. Tu vas faire cette prière avec moi. Oh Dieu, tu le vois, je n'ai point d'enfant. Mon mari et moi n'arrivons pas à concevoir. Ma femme et moi, nous voulons encore avoir d'autres enfants. Oh Seigneur Jésus, opère le miracle. Je ne te demande pas cela dans le doute, mais je crois et j'en suis convaincue, Seigneur, que tu feras le miracle pour moi. Oh Dieu, comme tu l'as fait pour Anne, fais-le pour moi aussi. Et que je devienne enceinte, et que cet enfant te soit consacré, et qu'il soit pour la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons encore nos prières. Je te demande de partager ce direct, de partager massivement sur tous tes canaux de communication, afin que quelqu'un aussi soit touché par cette prière et qu'il obtienne son miracle, bien-aimé. Nous prions maintenant contre le chômage, pour le travail. Fais cette prière avec moi. Yahweh, ouvre mes yeux sur mon métier de prédilection. Seigneur Jésus, ouvre les yeux que je vois cette entreprise dans laquelle je dois travailler. Oh Dieu, je suis confus, Seigneur Jésus. J'ai besoin d'orientation. Oh Dieu, quel est ce domaine dans lequel je dois travailler? Ce domaine dans lequel je dois exceller? Yahweh, quel métier dois-je exercer? Ouvre mes yeux et que je vois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu te trouves, élève la voix et prie, demande à Dieu une orientation pour ton travail. Demande à Dieu cette entreprise dans laquelle tu dois aller déposer tes dossiers. Que ce soir, tes yeux s'ouvrent. Que tu aies une révélation de l'Esprit de Dieu ce soir pour ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand bien même tu auras obtenu le travail, il faut que la promotion vienne dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es en train de faire cette prière, bien-aimée, je vois la vie de Dieu entrer dans ton travail. Je vois le travail venir vers toi. Et à la suite de cela, la promotion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où les autres n'ont pas pu arriver, je déclare dans ta vie que tu y arriveras au nom de Jésus. Cette promotion qui a échappé à tes contemporains, elle vient vers toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, lorsque tu entreras dans cette entreprise, tu ne vas pas durer et la promotion viendra vers toi, bien-aimé. Bien-aimé, prions pour nos affaires. Il faut que ce soit notre Dieu nous révèle quelque chose. Il faut que les choses qui nous sont cachées nous soient révélées en songe, nous soient révélées dans nos rêves, nous soient révélées par des visions. Alléluia. Tu as besoin de l'orientation de Dieu. Amen. Fais encore cette prière avec moi. Seigneur Jésus, éclaire-moi dans mes affaires. Oh Dieu, sois mon repère. Yahweh, quelle est cette opportunité qui vient vers moi et que je suis sur le point de rater parce que mes yeux sont fermés? Yahweh, ouvre mes yeux maintenant. Découvre-moi tout ce qui est caché. Seigneur Jésus, je ne veux pas rater d'opportunité pour mes affaires. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Éclaire-moi. Ouvre mes yeux sur ce que je dois faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, la vie que je dois mener, montre-la moi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit en Ésaïe 14, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Bien-aimé, ce soir, il faut que tu dises cette parole à l'homme fort de ta famille, du côté paternel comme du côté maternel. La Bible nous dit que tu diras, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Bien-aimé, il s'agit de la délivrance. Il faut que ce soir nous puissions dire que l'homme fort est tombé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous demandons notre délivrance totale
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous commandons, Seigneur Jésus, que tout ce qui faisait obstacle à notre délivrance échoue ce soir au nom de Jésus. Nous demandons, oh Dieu, que tu nous donnes une orientation sur cette prière de délivrance que nous devons faire afin d'être totalement libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, montre-nous le chemin à suivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous n'oublions pas les âmes du purgatoire. Nous demandons l'intervention de la Vierge Marie afin que ces âmes-là, toutes ces personnes qui sont parties trop tôt, toutes ces âmes du purgatoire, ces âmes pour lesquelles personne ne prie, que le sang de Jésus intervienne aussi pour ces âmes du purgatoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes au terme de cette prière. Et avant d'aller nous coucher, nous allons demander la bénédiction spéciale de Dieu. Cette bénédiction dont nous avons besoin, la bénédiction de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de notre ange gardien. Nous demandons l'intervention surnaturelle de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans tous ces endroits-là qui nous concernent. Nous demandons à notre Saint Patron, nous demandons à tous ces saints-là que nous aimons particulièrement, qu'ils intercèdent pour nous ce soir. Bien-aimés, prions ensemble. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner aussi ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre sainte intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes, le saint patron de la ville d'Abidjan, le saint patron de la ville où je me trouve, le saint patron de mon pays, la Côte d'Ivoire, et même de mon quartier, je te prie de me donner ta sainte bénédiction, de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Alléluia. Bien-aimé, là où tu te trouves, demande cette grâce à Dieu de ne point mourir prématurément. Que tout plan de mort prématurée échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui voulait faire avorter ta vie soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande cette grâce-là à Dieu maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est mort prématuré dans ta vie soit écarté de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, là où tu te trouves, je commande maintenant sous l'onction de mon père Abba Achia Pakomari, que la mort prématurée s'éloigne de toi maintenant au nom de Jésus. Je commande que tout plan de l'ennemi pour faire avorter ta vie de manière prématurée soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que le feu de Dieu descende dans ta vie maintenant afin d'ébranler tout ce qui est mort prématuré. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus et de tout péril. Bien-aimés, prenons encore notre eau bénite. Et par cette eau bénite, nous allons demander l'intercession des quatre évangélistes. Mais avant ça, fais cette prière avec moi. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal. Garde-moi de toute mort subite. Amen. Bien-aimés, nous prenons notre eau bénite et nous faisons le signe de croix aux quatre coins de notre lit. Nous demandons l'intervention de Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Nous leur demandons de se placer aux quatre coins de notre lit pour nous défendre contre tous nos ennemis, contre les maris et femmes de nuit, contre le diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit. Je te le remets entre tes mains, comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Bien-aimé, nous sommes au terme de cette prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève au-delà de toute espérance. Que Dieu vous donne une orientation divine pour tous les domaines de vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, soyez vigilants dans vos prières.
Tenez-vous toujours à la brèche. Bien-aimé, l'ennemi ne se repose pas. Il faut que nous soyons vigilants dans nos prières. Il faut que nous puissions savoir quel combat nous avons à mener. Et que le Saint-Esprit nous éclaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que nous devons avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons lire, parcourir notre Bible. Car la parole de Dieu qui est prononcée avec foi est une arme puissante contre l'ennemi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Guerrier et guerrière de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le ministère Femme des Peuples et le ministère Marial du Combat Spirituel présentent les temps de prière du mois de janvier à la montagne du Christ Libérateur à Brofodoumé. Thème 1. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Romains 11, verset 16. Objectif, contrôler le premier mois de l'année, c'est dominer tous les mois de l'année. Prédicateur, Abba Achiapa comme Marie. Dimanche 24 janvier 2021, Paraclitos, prémices de puissance et des fusions des dons de l'Esprit Saint. Notez bien, venir avec sa bouteille d'huile, son manteau ou pochette, de 12h à 18h30, à la montagne du Christ Libérateur à Brofodoumé. Car de transport gratuit au départ de toutes les communes. Infolive 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique en Côte d'Ivoire, la paroisse Théotokos d'Abidjan Cocody en Grèce organise la veillée de retour à l'envoyeur. Le samedi 30 janvier 2021, de 21h à 6h, à la montagne du Christ Libérateur à Brofodoumé. Thème, il creuse en terre un trou profond, mais dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui, et sa violence lui retombera sur la tête. Psaume 7, versets 16 à 17. Prédicateur, Abba Achiapa comme Marie. Car de transport gratuit, au départ de toutes les communes. À 19h, 01 31, 51 06, 05 96, 77 12, 77 54, 83 80. Katia Lusambo na yokinde kwa zala ki kombonde la yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, coulé. Mes larmes ont trop coulé, papa, viens me sauver. Pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, ô papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh.